de Dieu s'étend sur ton esprit. Et que chaque réclamation d'ordre familial se brise. Je détruis le pouvoir d'autel familial pour m'en cacher. Que les pouvoirs d'ordre familiaux te lâchent. Je commande à l'ennemi de te lâcher. Commande à l'ennemi de te lâcher. Lâche ce corps. Réclamation se brise. Toute réclamation se brise. J'allume le feu dans ton esprit. J'allume le feu. Il monte, il détruit les trônes occultes. Feu! Que ça descende au niveau de ton esprit. Et que chaque chose que tu as reçue des trônes familiaux te lâche. Que ça sorte de ton esprit. Que ça sorte de ton âme. Ouvre ma cacha ta kama ma kama. Je vois un esprit qui est en train de sortir d'elle. Sors au nom de Jésus. Allez, sors, sors. Sors, sors, sors. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors. Et tu diras dans la vie d'aucune personne. Tu sors, 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 mettez-vous devant là. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, je te le commande. Je te le commande, sors. Sors. Roma Kachada Kamamaka. Feu! Allez, va dans les lieux arides. Il y a ma cachée. Va dans les lieux arides. Il y a ma cachée. Je détruis ta demeure. Là où tu te camouflais. Lâche ses yeux, sa main, sa bouche, son esprit. Que tu n'aies plus aucune partie de sa vie, que tu ne contrôles plus rien. Je te commande. Odemakashé Naramakaya. Romakashé Nakamamaka. Oriamakashé. Je brise et détruis tout le contrôle que tu avais sur sa personne. J'en ai entré. Pour ce que tu faisais. Et je te commande au son de ma voix. Rima caché d'akama maka. Roma caché d'akama mako. Que tu partes. 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 Rima caché d'akama maka. Caché. Cet esprit qui opérait en elle est source de paralysie. Donc, à un moment donné, il devait donner la paralysie et c'est ce qui après devait la conduire à la mort. Et ça vient d'un hôtel familial.
mais aujourd'hui il est dénoncé et il est vaincu. Feu! 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 Allez, je détruis ta force. Je détruis ton fauteuil. Et je commande au nom de Jésus que tu lâches ses pieds. Que tu lâches ses pieds. Que tu lâches son esprit. Que tu lâches son âme. Que tu lâches tout son être entier. Que tu lâches toute sa personne. Je vais souffler, il va partir. Seulement ta main se sent bien. Il est déjà vaincu, on va continuer de prier. Il y a ma cachée. Donc le Seigneur m'a montré une maladie de paralysie. Ce que le Seigneur m'a montré. Et donc dans cette maladie, je vois un autel. Et dans cet autel-là, cette maladie est censée toucher beaucoup de personnes de la famille. C'est ce que le Seigneur me montre. Et donc ce pouvoir-là aussi réclamait votre vie. Donc il a envoyé un esprit. J'ai vu un esprit de serpent. Et j'ai vu un esprit des sons qui travaillaient ensemble sur votre personne pour vous emmener jusqu'à vous paralyser. Et après cette maladie de veille, vous emporter. Hein? Il y a des problèmes de genoux. Début de. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur fait la grâce aujourd'hui d'être affranchi de cet hôtel-là. En fait, ce n'est pas quelque chose qui est normal. C'est un hôtel qui a été bâti dans la famille, qui réclame la vie de cette manière. C'était prévu, en fait. Ça commence à s'installer au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'à un moment donné, pouf, que vous perdez le contrôle. Donc vous vous retrouvez vraiment en position d'handicap paralysé et devait survenir encore d'autres maladies et puis ça devait être la fin. Mais le Seigneur fait lever son consoler sa grâce ce jour sur vous et vous êtes épargné de tout ça. Et avant tout, j'aimerais qu'on réacclame encore très fort le Seigneur dans le monde. Il est écrit qu'une maison qui reçoit des étrangers, tout les embellite. Donc la sœur va simplement se présenter.
Yes, on peut acclamer le Seigneur trop fort. Une fois à la maison, le médecin a oublié de me donner les écouteurs pour la circulation du sang. Donc, j'ai subi un début de thrombose, j'ai taillé une minute par la grâce de Dieu. Et j'ai toujours du mal, je n'ai pas guéri. Et là, avant-hier, je suis passé chez mon médecin, avec une échographie. Apparemment, tous mes os sont abîmés. Donc, il faut peut-être opérer et faire des prothèses. Ce que vous avez dit, c'est vrai. J'ai failli être ici. Et j'ai pris du temps pour. Vraiment, c'est la volonté de Dieu parce que je me voyais vraiment pleurer au moment. Aujourd'hui, j'ai peur parce que, vu le pronostic de médecin, j'ai peur de me faire opérer et de subir la même chose. Mais Dieu est là. Amen. La foi. Je vous confie à la personne. Pourquoi moi je le dis que il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de clouation au lit aussi. Pourquoi je vais le dire? Moi, je ne connaissais pas le problème, mais Dieu connaissait déjà le problème. Ce n'est pas en vain qu'il m'a montré qu'il y avait une bataille de paralysie. Mais Dieu m'a montré que c'est une maladie d'ordre familial. Il y a un hôtel qui fait cette réclamation. Et aujourd'hui, le Seigneur se lève pour pouvoir apporter la guérison, la solution. La situation peut être aussi grande, mais cependant, ça ne peut pas être plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que toi. Donc, nous sommes là, toi, Jésus, mission mondiale des messages de Jésus-Christ, qui est aussi appelée écho des miracles. Écho des miracles. Donc ici, en longtemps, comme ce que les disciples de Jean-Baptiste sont partis dire à Christ, est-ce que c'est bien lui le sauveur? Ou bien nous devons entendre, attendre une autre personne? Il a répondu non. Allez lui dire, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Ça veut dire que Jésus dit, c'est plus question de quoi que ce soit, mais entendez l'écho des miracles. Voilà pourquoi ici aussi, on parle de la troisième JC, mais en même temps c'est l'écho des miracles. Moi, je ne savais pas de quoi vous, d'où vous venez déjà, de quoi vous souffrez. On n'a jamais aussi parlé, je ne savais pas parce que la sœur Sardine avait une cousine, ou des cousines, d'abord je pensais qu'elle était seule. Voilà qu'aujourd'hui, je découvre qu'elle a une cousine. Et cette cousine était déjà connue de Dieu. Et le Seigneur étend de sa main pour dire, révéler d'avance tout ce qui est de ta vie. Mais cette situation-là n'est pas ordinaire, n'est pas normale. Voilà pourquoi le Seigneur a révélé. Et croyez-moi, en partant de ce lieu, tu vas attendre un mois. Tu ne seras pas plus haut. Deux mois, tu ne seras pas plus haut. Trois mois, tu ne seras pas plus haut. L'année 2024, tu ne seras pas plus haut. Jusqu'à l'année 2025. Jusqu'à. Parce que la situation de l'été est un peu. On peut pousser les pieds de joie. On peut pousser les pieds de joie. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis.